Coucou les filles, ça va? Nous revoici les petits copains, les petites copines. Oui, c'est la suite. Comme on vous l'avait dit dans la vidéo précédente, celle d'hier ou d'avant-hier, ça dépendra quand on l'aura posté. Nous avions fait un swap, nous avions débuté un swap avec Madison de la chaîne Le Monde de Missy 15. Et cette vidéo était très longue car Madison nous avait envoyé des tas et des tas et des tas de cadeaux. Nous n'avions pas tout ouvert. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir la suite du swap. Alors les petits copains, les petites copines, restez bien sur cette chaîne, car après le générique, nous continuons le swap. Qui c'est qui me lance le générique? Générique! Y'a que moi qui t'écoute. Voici les petits copains, les petites copines. Donc j'ai fait un rapide tour du propriétaire, vous avez vu, il nous reste encore tout un tas de cadeaux à ouvrir. Donc je vous réexplique très rapidement pour vous remettre dans le contexte. Voilà, nous ouvrons la seconde partie des cadeaux de Madison. Donc on s'était arrêté au numéro 13, Mamounette, si mes souvenirs sont bons. On reprend au 14. Donc, comme dans tout swap, il y a des menus. Oui, ma puce. Alors, les gros préférés, c'est Madison, t'as tapé pile dans le mille. C'est au moins le cinquième qu'elle mange depuis les débuts de la vidéo. Ouais, et regardez, il y a de quoi faire encore. Hein. Oui, ma puce. On a le 14. C'est le 14, là. Ouais, et toi, tu manges quoi? Des Maoam? Au coca. Au coca. Bon, alors, comme je disais, dans chaque swap qui se respecte, il y a un menu. Nous nous en étions arrêtés au numéro 13. Ouais. Nous reprenons au 14. C'est parti, je vous écoute. Ah, ok. Alors 14, tu te reposes sur moi et j'enlève mes lunettes. Tu te reposes sur moi et j'enlève mes lunettes. Ah, ça... ah, un coussin. Un coussin. Un coussin Harry Potter. Lunettes rondes. Ah, peut-être. Aucune idée. Et pour Ellie, quand tu as froid, je te réchauffe. Ah bah c'est... c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Une couette? Qu'est-ce que c'est? Une couverture? Oh, un peignoir. C'est quoi? C'est un plaid Pouchine. Oh, regardez les petits copains de copines. C'est ça, tu avais trouvé, Lana. C'est effectivement un coussin Harry Potter. Oh, trop bien. Et toi, Ellie, c'est quoi? Oh, c'est kawaii. C'est un plaid tout doux des Pouchines. Wow. Est-ce que tu peux le sortir, Mamounette? Oui, bien sûr. Parce que là, on le voit pas bien. J'aimerais trop. J'ai l'impression qu'il y a des licornes dessus. Ce sont les chats licornes de chez Pouchine là. Ah oui, c'est trop beau. Ah, oh, c'est trop beau. Ah, oh, j'ai vu les mêmes sur internet. Oh là 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 là, c'est magnifique. Il y a un petit truc qui tient, faut pas déchirer. Et c'est les couleurs d'Ellie, c'est les couleurs de la chambre d'Ellie. Parce que la chambre d'Ellie, elle est rose, violette et grise, marron. Elle nous fait un tour de magie. Allez, fais un tour de magie. Voilà, vous l'avez pas vu. Oh, elle a disparu. Bien fait. Mais c'est un tour de magie incroyable. Bon, super, le 14, vraiment au top, très douillet. Et ça, c'est quoi, ma Alors, puce? En fait, Madison, elle vous avait mis une petite carte. C'est vrai. Une d'ailleurs, Lana aussi en a. Lana, oui, je sais plus ce que j'en ai fait. Ah oui, elle est là, elle est derrière, je vais la chercher. Effectivement, on avait en plus des petites cartes trop gentilles, quoi. Avec un petit mot trop gentil. Coucou Ellie, tu veux que je te le lise, mon cœur? Oh, c'est trop beau. Tiens, ma puce, je te donne le tien. Coucou Ellie, voici une carte pour accompagner ce petit swap. Sache que je te suis depuis tes débuts et que tes vidéos me redonnent le moral quand ça ne va pas. Continue ainsi ma puce, tu le mérites énormément, donc je t'encourage à continuer. Tu es unique, tu cries, oui. Ah oui, elle crie. Tu rigoles, oui. Tu demandes à aller aux toilettes, oui. Et c'est tout cela qui rend tes vidéos uniques. Continue ainsi, je te fais de gros bisous de Belgique. Ah oui, en plus elle est belge, Madison. Bisous Madison, de Le Monde de Missy 15. Et toi, Lana? Ouais, ah bah alors là, mais t'as mon lecture là, ils sont mis à l'épreuve, attention. Allez, vas-y. Allez. Voici une carte pour accompagner ce swap, qui j'espère te plaira. J'ai pris beaucoup de plaisir à te le préparer, et grâce à toi, j'ai pu connaître une culture musicale et de livres. Je t'en remercie, tu es une personne géniale, et donc ne change surtout pas. Je te fais de gros bisous, et bon swap, Madison et Le Monde de Missy 15. Waouh, c'est trop mignon. Oui, je vois ça, j'en ai montré un pendant que Lana, pardon, lisait. Regardez, c'est un petit Hatchimal trop mignon. Il a les ailes violettes. Je crois que les ailes violettes, c'est pas courant, je sais plus.
Il est trop mignon. Une petite coccinelle. Une petite coccinelle, ouais. Robert. Allez, on ouvre la suite parce que moi je suis impatient. C'est bien beau de lire. Mais moi je veux voir ce qu'il y a après. Alors on ouvre le numéro 15. Alors d'abord il faut me lire le menu. Numéro 15. Ah, trop chou. Je vais voir ma puce. Ah. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une petite baleine avec un petit poil. Regardez, petite baleine. Alors, Julie, on fera après, on va ouvrir le 15. Vas-y, Lana. Alors, que mange-t-on quand on fait du sport? Bon, moi, je mange des barres de céréales. Puis, je fais pas de sport. Moi, je mange pas. En plus, je fais pas de sport. Des pâtes. J'en fais plus. On mange des pâtes. Quand on fait du sport. Des sucres lents, ouais, des bonbons. Moi, je mange des bonbons. Un sandwich. C'est bizarre quand même. Un sandwich là-dedans? Un sandwich carré? Bon, je sais pas. Qu'est-ce qu'on mange quand on fait du sport? Et alors, pour Ellie, c'est j'éclaire tes nuits. Ah ah. Ah ah. En tout cas, tu éclaires nos sourires, Madison. Vas-y, ma puce, ouvre. Allez, on réchauffe le cœur là aujourd'hui. Ah, encore Amazon. Amazon. J'adore. Ben voilà, Ellie. Oh. Oh, Ellie. Alors, les petits complets de copines. Si vous avez vu notre première vidéo, je vous mets le lien ici. Regardez, il s'affiche. C'est donc la première partie de ce swap. Lana avait eu une petite veilleuse pour mettre sur sa table de nuit pour les nuits. Et Ellie avait dit, j'en veux une. Et on lui avait dit, eh ben, on t'en achètera une. Et ben regardez, Madison a tout prévu. Elle s'allume de toutes les couleurs. Elle s'allume de toutes les couleurs. C'est une veilleuse licorne. En plus, elle fait ça super bien. Elle prend, elle l'a réemballée. Wow. C'est trop bien. Alors regarde. Alors. Waouh. Alors je vois de l'orange. Je vois du jaune, je vois du vert. Elle change de couleur. Elle est verte. Alors, nous avons, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, hein. Je vais peut-être mettre ça dans l'ombre. Voilà, on verra mieux. Regardez, bleu, ça devient vert, jaune. Elle va redevenir bleue, elle passe au rouge, au violet. Bref, elle a toutes les couleurs. Ah, violet, ma couleur préférée. C'est trop bien. Hop, on va l'éteindre. Tac, off. Et toi, ma puce, qu'est-ce que tu as eu? C'est des livres de Killary, et maintenant je sais pourquoi. Ah, des Killary? Ah oui, alors pourquoi? Parce que c'est une grande mangeuse. Elle fait que ça? Ah oui. Elle mange. C'est vrai? Donc elle prend pas de poids. Ah, c'est pas comme nous les humains. Alors regardez, Killary, donc un manga. Donc ça aussi tu adores. Ah ouais. Et là c'est le numéro 12 et 11. Tu les avais ma puce 12 et 11? Je crois pas, non. Oh là 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 là, Madison, mais tu es trop forte décidément. Décidément, chapeau, bravo. Donc le 11 et 12, c'est génial. Et toi, ma puce, qu'est-ce que tu nous montres? Oh, un petit Hatchimals, sa nouvelle Hatchimals, regardez. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça aussi, c'est une petite tortue. Une petite tortue, regardez. Elle a sa carapace ici. Oh, wow, wow. Donc ça, ce que je vous montre, les petits copains et copines, ce sont des bonus. Hein. C'est même pas des cadeaux qui sont numérotés. Alors, numéro 16. C'est Ellie. Oh là, il est gros, celui d'Ellie. Wow. Oh là là. Oh là là. Wow. Un tympan de moins du côté de Lana. On va passer de bons moments ensemble. Oh oh. C'est beau, hein. Après, c'est en route vers mon univers magique. Oh oh. Du Harry Potter encore. Ah ouais. Bon, allez, allez-y les filles, ouvrez-moi ça. Oh là là. C'est Mason. Oh là là. C'est il y a pas de secret kilo. Oh, tu connais quelqu'un qui l'a? Oui. C'est une petite maison Playmobil valise. Waouh, trop bien. Attends, ça non plus, Ellie l'avait pas. Et toi? Oh, fais voir. Une housse de couette. Waouh, waouh, waouh. Sur le thème d'Harry Potter, regardez. Je peux te l'enlever, ça, Lana? Je déchire? Non, tu veux le garder. Et Lana garde tout. Ça va être dur, hein. Je vais essayer de le faire glisser. Oh là là, la maison Playmobil. Mais carrément. Oh, mais t'as été gâtée en Playmobil, toi qui adore les Playmobil en plus. Oh là 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 là, cette chance. C'est trop bien. Bah, t'es derrière, on peut plus te voir, oui. Allez. Donc moi, j'enlève ça petit à petit. Ouais, je galère complètement. Mais je vais y arriver, regardez. Je fais glisser. Hop, hop, hop. Et voilà, tiens ma puce, je l'ai pas déchirée, t'as vu? Mais parce qu'il faut vous dire, Lana garde tout nickel, tout. Faut rien abîmer. C'est pas comme elle, hein. C'est pas comme Ellie, ouais. On a vraiment les deux opposés, là. Moi, j'aime bien donner, Lana n'aime pas donner. Oh, c'est pas vrai. Oh là là, c'est pas vrai, ça. Oh là là, Lana, elle adore. Ellie, elle est généreuse. C'est vrai. Et Lana aussi. Ouais, Lana aussi. Ah ouais, ouais. C'est pas vrai ce que tu dis, ma puce. Alors, regardez cette couette. Regardez cette couette. Qui va avec le coussin. Voilà. Et celui aussi que tu as sur tes genoux. Ah oui, voilà. Trop bien. Bon, bah, t'as la totale, on va dire. On va décorer la chambre de Lana. Ouais. Comment ça s'appelle, Mamounette, quand on a la couette, le coussin,
une parure, c'est ça, une parure complète. Non, c'est le lit, oui, aussi. Le donc lit, toi. Oh. Alors ça, c'est le Playmobil de la vidéo précédente. Hein. Donc c'est une maison là-bas, une maison qui fait valise. Oh, tu peux me la montrer, Mamounette, parce que je l'ai pas bien vue moi en fait. Hein. Alors regardez les petits copains et copines, c'est une maison qui fait valise. Donc on peut l'attraper par le haut et dedans on met ses Playmobil. Alors ça c'est pratique parce que ça nous permet d'emmener ses Playmobil partout. Et après on referme et comme ça il y a rien qui traîne. Il y a tout ça dedans? Oui. Non, il y a tout ça dedans? Oui, je te jure. Waouh, parce que d'habitude dans Playmobil, on a la maison, mais il n'y a rien dedans. Ouais, il montre tout et en fait, il y a rien. Oh, c'est trop beau. Merci Madison, merci, merci, merci. Et donc, elle a un petit copain, une petite copine qui est exactement la même. C'est génial. Oui, chez Max et Fred. Ah, chez Max et Fred. Bon, ben d'accord. Ben, Max et Fred, si vous nous écoutez, on fait un gros bisou. Apparemment, vous avez la même maison. Et Ellie l'a reluquée depuis un petit moment. Ben voilà, maintenant elle l'a. Trop bien. Bon, on passe au suivant. C'est quel numéro? Le 17. Le 17. Alors, qu'est-ce que tu as, Lana? Je sais que tu le désirais. Je sais que tu le désirais. Fais voir un petit peu cette forme. Qu'est-ce que c'est? C'est lourd, c'est léger. Ça fait du bruit? Qu'est-ce que c'est? Alors, si elle sait que tu le voulais... Un chat. Ah, pauvre chat. Allez, vas-y, ouvre. Et toi, Ali? Édition spéciale. Édition spéciale. J'ai l'impression... que c'est une suite de collection de livres. Ah. Alors j'en dis pas plus, mais je pense que dans la première vidéo du SWAP, ça se trouve, c'est les enfants. Peut-être. Ah oui, ça va, on avait les monsieur, les madames. Ça se trouve, c'est des Playmobil. Je suis pas sûr. Et toi, Lana, qu'est-ce que c'est alors? Une boîte. Un carton. C'est écrit Piab Size One. Dans un carton. Une boîte dans un carton. Une boîte dans un carton. Ok, ok. Lana galère à mort, regardez. Et toi, ma puce, c'est quoi? Oh, des livres, monsieur, madame. La licorne. Alors là, ce sont carrément des histoires. Donc effectivement, ce sont des éditions spéciales. Regardez, les monsieur, madame et le grand voyage de Noël. Les monsieur, madame rencontrent le Père Noël. Alors ça, c'est d'actualité. Hein. Madame anniversaire. Et Madame Tétu et la licorne. En plus, ils sont un peu glitter. Regardez, ils brillent. Regardez, là, les ballons, ils sont glitter. Les étoiles, elles scintillent. Oh, c'est trop. On va avoir de quoi lire, comme tu dis, Mamounette, c'est clair. En plus, les monsieur, madame, j'adore. Parce que regardez, c'est trop mignon. Regardez, regardez, les illustrations sont trop mignonnes. Allez, on passe à la suite. Donc, Lana. Oh non, c'est une pop. Ouais, c'est la seule qui me manquait de la collection. C'est pas vrai. Oh, Natsu. Et toi là, Ellie, qu'est-ce que tu fais? J'ai ouvert une figure. C'est toi. C'est une princesse. C'est une princesse, eh ben monte là. C'est moi qui l'ai ouvert. Ben non, je crois pas, j'étais là. Fais voir laquelle tu as. Ah, tu as la princesse. Eh ben monte là, pendant ce temps, je montre aux petits copains, aux petites copines Fairy Tail. Oui, qu'est-ce que tu veux dire, ma puce? J'avais Lucy, Happy et Wendy, mais qui n'est pas dans la même collection, mais voilà. Et là, il ne manquait plus que Natsu. Et qu'est-ce qui arrive là maintenant chez nous? Natsu! Merci Madison, regardez. Natsu, oh! Il a une boule, c'est il ou elle? C'est il. Il a une boule de feu dans la main. Un peu comme Dragon Ball Z qui envoie non, des... Non, c'est pas pareil. Non. Dans Dragon Ball Z, je regrette, il envoie aussi des boules de feu. Non, si non. Mais si, il fait Kamehameha. Il envoie une boule de feu. Attends, elle est trop belle. Regardez, c'est la 67. Elle est trop belle. Alors, je vais vous dire un secret. Lana, qui est toujours très conservatrice, elle conserve même les boîtes. Même si elles sont pas dedans. Même si elles sont pas dedans, elle conserve les boîtes. Alors qu'est-ce qui nous amène Ellie? Alors Ellie nous en amène encore un. Hein. Tiens ma puce, je vais lui l'ouvrir. Hop. Et voilà. C'est ouvert ma puce, tiens. Alors ensuite, Mamounette, on passe à quel numéro? Alors 18, un rêve bleu. 18, un rêve bleu. Alors moi, pour moi, rêve bleu, moi, ça me rappelle Aladdin. Ou Jasmine. Regarde, t'en mets partout des fleurs. C'est la même. C'est la même? Eh ben voilà, c'est pas grave, c'est la même. C'est une ça sera sa jumelle, c'est pas grave si c'est mélangé. Alors moi, du coup, 18, c'est j'ai la forme d'un cercle et je tiens d'une autre culture. J'ai la forme d'un cercle et je tiens d'une autre culture. Donc c'est la culture peut-être coréenne, japonaise, asiatique. C'est ça le 18. Et j'ai une forme ronde, probable. Un rêve bleu. C'est quoi un rêve bleu? C'est en cercle. Qu'est-ce que ça peut être? C'est mou? C'est mou ou c'est dur? Allez, ouvre, ouvre, ouvre. Moi, ma puce, c'est quoi? Jasmine ou Aladdin. Et ça a une forme un peu de pop. C'est Jasmine en pop. Tu crois que c'est Jasmine en pop? Tu crois? Je sais pas. Ah. Amazon. Oui. Wow.
Waouh, 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 waouh. En plus, c'est de la boule, celle-là. C'est vrai? Ouais. J'ai vu dans les vidéos et j'en voulais trop. Ouais. Donc, merci. Moi, je voulais avoir celle-ci. Tu voulais toutes les avoir, les Disney. Oh, bon. Non, je veux celle-ci. Tu veux celle-ci aussi? Elle les veut toutes. Ouais, parce que moi, je veux les quatre. Tu veux les quatre? Moi, je voulais avoir les quatre. Elle est trop belle. C'est la 326, regarde. Ouais. Waouh, 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 elle est magnifique. Elle est belle, moi effectivement. J'ai pas vu ça dans les magasins. Oh, cheveux au vent en plus. Mmh. Elle a les mêmes cheveux que toi, Mamounette. En fait, elle te ressemble un peu, Jasmine. Oui, bien sûr. Si, je trouve. Tu es ma princesse Disney à moi. Elle a pas la même couleur. Elle est très très belle, la 326. Je suis jaloux. Et encore un autre. Alors, Ellie m'apporte des Playmobil figures. Tiens, ma puce, je t'envoie ça. Hop là. Et donc, je vais ouvrir le dernier Playmobil figure. Hop là. Alors qu'est-ce que c'est? On va voir si c'est pas la même. Non, c'est pas la même. C'est pas non, la même. C'est pas la même. Là, tiens ma puce. Bon bah Jasmine, trop belle. Et toi Lana, galérie? Ouais, j'ai galéré tout à l'heure là. Alors c'est quoi? Encore? C'est encore emballé? Un emballage dans un emballage? Tu nous on as fait a une blague. Tu nous as fait une blague, Madison. On l'a pas. On l'a pas celle-là? Ouais. Ah bah super. Alors qu'est-ce que c'est Lana? Dis-moi s'il y a un autre emballage, que je rigole. Non. Non, c'est bon? Alors qu'est-ce que c'est? Oh bah. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce livre. Que c'est? Quoi? Arrête. Ah, tu vas pleurer de joie. Non. Ah, qu'est-ce que c'est? Regarde. C'est quoi? I am who? Je suis qui? Mais en fait, c'est mon nouveau groupe préféré de K-pop. C'est pas vrai. Arrête. Ah, Lana, elle est trop émotionnée. C'est trop bien, c'est un livre. Attends, il y a même un CD. Bah oui, c'est le livre. Non, c'est... Oh, oh. Ah, t'as tout eu la totale. Elle est trop contente, Lana. Oh là là là. Oh, mais Madison, mais t'es trop forte. Ah non, mais... Oh là 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 là. Alors là, je crois que tu as touché le cœur de Lana. Waouh, 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 waouh. L'album, le livre, le badge, le poster, les cartes... Non, mais... C'est les Stray Kids. Le nouveau groupe préféré de Lana en K-pop. Bon, et bah, tu auras de quoi lire et écouter. Super, Madison. Non, surtout que j'ai le I Am Not. Donc c'était leur tout premier. Là, c'est, leur... c'est le deuxième. Ouais. Et le prochain sera quoi? Not I Am Who. I Am Who. I Am Who. Bon, ensuite. Ah, oui, on connaît nous la K-pop, hein, on connaît. Bon, ensuite, numéro combien? 50 000? Je sais plus. 19. Allez, lisez-moi le numéro 19. Et si on faisait du shopping? Alors, Ellie, c'est si on faisait du shopping. Ok. Et moi, c'est... Tu veux pas l'ouvrir? Ah. Je sers à décorer. Bon, ben, allez-y. Une coque? Pas bête. Si, je pense. Pas bête, une coque. Ou un coq. Si c'est une poule. On sait pas, hein. Elle serait toute plate, la poule. Non, des Shopkins. C'est une coque. Oui. Des Shopkins à ouvrir. Oh, il y en a trois. Oh la vache. On l'a regardez, une coque Fairy Tail. Elle est trop belle, cette coque. Donc oui, c'est une coque Fairy Tail pour le téléphone portable de Lana. En plus, je pense bien que c'est... Oui, c'est bien la bonne. Oh, la bonne taille et tout, en plus. C'est 7. Et toi, Mamounette, c'est quoi de ton côté? Shopkins saison 7. Wow, saison 7. On a des ensembles. Oh avec... Elle est jolie. Et on les avait pas. Non. On les avait pas. Un peu mariage, un peu princesse. Et le troisième? Et le troisième, c'est des nourritures. Des petits nourriture. Alors, les Shopkins, c'est le top parce que Ellie, elle en possède une pleine caisse. Oh là! Oh là là! Ouais, j'avais pas vu! Mais attendez, qu'est-ce que vous montrez là? J'avais pas vu ça! Il y a un caca! Mais c'est un bonus! Il y a Choupi! C'est des coloriages? Ouais! Oh! Ouais, Harry Potter! En plus, c'est. C'est sur le thème de ce qu'aiment les enfants! Ouais, elle a imprimé et elle a relié elle-même! Et ça fait comme un livre de coloriage! Wow! Mickey! Fais pas! Il y en a plein. Waouh, waouh, waouh. Et les illustrations sont vraiment choisies, quoi. Du côté d'Ellie, on a ce qu'elle aime. Et du côté de Lana, on a ce qu'elle aime. C'est incroyable. Oh, elle a dû passer un temps fou à faire ça. Ouais. Madison, super. Chapeau. On passe à la suite. Allez, le 20. C'est Noël aujourd'hui. Hein. C'est Noël. Le numéro 20. Alors, Lana, on t'écoute. Pour te mettre en valeur.
Pour te mettre en valeur. Du maquillage? Nanay, t'es fatiguée. Nanay, j'ai pas le vin pour Ellie. Qu'est-ce que tu m'apportes? Ah, alors le vin, on a perdu le vin. Cherchons le vin pour Ellie. Bon, les petites copains et petites copines, on cherche le vin pour Ellie. On se retrouve tout de suite. Et nous revoici les petits copains et copines. Nous avons trouvé le numéro 20, enfin. Ouais. C'est oui, Lana l'a trouvé sous le monceau de cadeaux. Et toi, tu manges des bonbons, toi? Non, j'en veux pas, je mangerai après. Nous, on va ouvrir le vin pour Allez, Ellie. On ouvre le vin. Vas-y, ma puce. Pour nous, c'était écrit surprise. Ok, donc ça peut être n'importe quoi. Et moi, c'est pour te mettre en valeur. Merci. Pour te mettre en valeur. Bah, allez, allez-y. Moi, je mange un petit bonbon en attendant. Tiens, mon cœur. Mmh, trop bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, du make-up. Make-up. Wow, du make-up, donc du maquillage, hein, en français. Wow. Propre palette. C'est une palette do it yourself en fait. Ouais, elle peut mettre ses propres fards là. Ouh, ça, t'aurais aimé, ma mounette, avoir un truc comme ça. Hein. Jalouse, mais bon, je vais pas le dire. C'est réglissement. Alors regardez, petits copains et copines, on a une palette qui est vide ici, avec des trous. Et dans les trous, bah, on met carrément dedans. Hop, le make-up. Voilà. Des gloss. Alors il y a des gloss aussi, voilà, des gloss. Voilà, gloss. Allez, où mon chat? Du maquillage, quoi, pour te mettre en valeur. Voilà. Ma puce. Oh, des bonbons. Tu peux pas ouvrir, Ellie, moi je m'ouvre. Ah, bah vas-y. Tu vas? Des bonbons. Ah, ouais, des bonbons. Encore? Merci. Alors, qu'est-ce que c'est, Mamounette? Wouah! La suite? Non, j'en ai un autre, j'ai l'impression. Ah, c'est les cartes là. Ah, c'est pas Panini, c'est des alors cartes. Oui. Et on les collectionne et on les met dans le classe. À la fois que je vous dis des petits copains de copines, pourquoi Mamounette dit encore? Parce qu'en fait, dans la première vidéo de ce swap, Ellie avait eu l'album Panini des avec des autocollants à coller. Donc, hein, ça porte bien son nom, autocollant. À coller des poupées LOL. Et là, cette fois-ci, ce sont carrément les cartes. Voilà, il est derrière. Regarde. Et là, ce sont des cartes de type Pokémon. Il y en a 180 a priori. Oh, c'est génial. Et donc là, regarde, on a eu le petit cahier avec tous les emplacements pour les cartes à l'intérieur. Ah oui, regardez, comme les Pokémon en fait. On ouvrira après, mon chou. Ah, mais je savais pas qu'ils faisaient ça, lol. C'est super. Alors ça, c'est super, c'est super, c'est super. J'adore cette peluche. Ellie, elle va kiffer. Hop là, je vous rends ça. On adore cette peluche. Bon, ensuite, numéro 20. Allez, Lana. Non, 20, c'était ça. Ah bon, alors 21. Je sais plus, hein. Moi, je sais plus où j'en suis. Hein. Même couché, tu auras le smile. Même couché, tu auras le smile. Qu'est-ce que c'est, là? Alors Ellie, elle est à fond dans les bonbons. Ça, allez, c'est quoi? C'est des chewing gum. Miam miam miam, je vais me régaler moi avec ça. Mmh, ça fait pleurer apparemment. Ah oui, c'est piquant ça. Ah, oh, j'adore. Ça a pété le cadeau de Lana. C'est quoi? Ça a pété. Ça a pété. C'est quoi? Non. Une housse de couette. Une housse de couette. Mais toi, tu emoji. Mais voilà. Waouh, une housse de couette emoji. Oh là 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 là. Tu veux nous l'ouvrir, ma puce, qu'on la voit un petit peu? Regardez. Et toi, c'est quoi? La même. Ah mais non, c'est Unicorn, c'est celle qu'on a vue. Tu m'as fait une blague, là. J'ai cru que c'était son nouveau cadeau, en fait. Ah, elle a fini, Ellie. C'est ce qu'il y avait dans la vidéo précédente, elle avait ouvert celle-ci. Ouais, elle va m'aider à ouvrir, il y en a un pour moi, alors elle va m'aider. Ah, il y en a un pour Mamounette. Tu viens, moi, je te laisse faire. Alors, voyons voir cette belle couette. Regardez les petits copains et petites copines. Waouh, ça c'est... Alors ça, c'est le coussin. Donc déjà, sur le coussin, tout un tas d'émojis. Ah, mais c'est trop beau. Oh, il y a un Space Invaders. Regardez, ah, je vous l'approche, regardez. Oh, un Space Invaders revisité, j'adore. Donc regardez, voilà, et de ce côté, c'est marqué emoji. Donc ça, hop, c'est le coussin. C'est trop beau. Ouais, c'est un peu grand, mais je vais quand même montrer. Là, il y a un singe, il me fait rire, le singe. Donc là, les petits copains et copines, regardez, hop. Et voilà, la housse de couette. C'est trop beau, il y a un caca. Oh, il y a un caca, il y a un chat. Ah, c'est rigolo. Elle est très très belle. Lana, hop là, tu disparais. Moi, elle m'a ouvert, c'était écrit pareil pour l'hiver, Mamounette. Ouh là là, mais avec ça, Mamounette, je vais plus t'entendre. Regarde, tu vas ronronner. C'est un plaid avec des ananas roses. Fais voir, ma puce. Alors, on va essayer de l'ouvrir. Moi, j'ouvre, hein. Moi, j'adore ouvrir. Et voilà, je l'ai ouvert. Alors, c'est un plaid tout doux avec des ananas. Oh, alors, je sais pas si on dit ananas ou ananas. On dit quoi, Mamounette? Ananas. Alors on vote. Moi je dis ananas. Toi tu dis quoi? Ananas. Toi tu dis quoi? Ananas. 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 Bon, c'est ananas qui l'emporte. Ananas. Tu dis ananas? Ah bah il y a deux partout. Bon bah alors ouais. Égalité. On dit ce qu'on veut. C'est comme pain au chocolat et chocolatine. Non, lance pas le débat. Alors tu dis quoi toi? Pain au chocolat. Pain au chocolat. Toi tu dis quoi? Pain au chocolat. Et toi? Pain au chocolat. Moi aussi je dis pain au chocolat. Je dis pas chocolatine. Mais c'est joli chocolatine, j'aime bien. C'est joli mais non.
Alors ensuite, on en est où? Je sais plus. Je sais plus où on en est. Mamounette, t'as froid? Mamounette, t'as froid. Je trouve ça, il est tellement doux, tellement beau. Merci Madison. Ouais. J'adore, il est trop beau. Merci d'avoir pensé à nous. Alors franchement, là, c'est une trop belle attention. Allez, allez, vas-y Lana. Repose-toi, mon monde est imaginaire. Allez, craque-moi ça. Repose-toi, un coussin. Mon monde est imaginaire. Un coussin, là. Un coussin. Oh. Oula. Oh là là, il est beau. Oh, il est magnifique. Attends, tu vas avoir un lit, mais alors, elle non, nous mais... a relooké le lit de Lana. Et c'est tant mieux, parce que Lana, ta dernière couette, elle commençait un peu à dater. Hein. Ouais. Puis elle était toute simple, en fait. Elle mais était de couleur vert. Encore, oh, il est vraiment magnifique. Il est or et noir. Ouah, ouah, ouah. Regardez ça, il y a la lune ici. Là, on a la fameuse chouette, vous savez. La chouette qui est qui vient chercher Kiki sans les snorkies. Kiki. Okay. D'accord. Mamounette se moquerait-elle de moi un petit peu là? Mais je crois qu'elle se moque de moi. Mais non. Si tu te moques. M'en fous, je me vexe pas. Mais je parle plus, voilà. La chouette kiki. Alors, bah tiens, si t'es si intelligente, qu'est-ce qu'elle fait la chouette? Elle fait Harry Potter. Qu'est-ce qu'elle fait la chouette? Elle Non, 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 non. Elle choisit. Elle choisit. Quoi? Elle choisit. Tu le sais pas? Je sais plus. Je crois qu'elle choisit l'école où iront les sorciers. Dis-toi, tu y feras l'école machin. Non, elle fait pas du tout ça. C'est le chapeau. Elle fait quoi la chouette? Qu'est-ce qu'elle fait la chouette? Je sais pas. On sait plus, les petits copains et copines, dites-nous ce que fait la chouette d'Harry Potter. Ça bon. Lulule une chouette. Non mais d'accord, ça lulule. Ça lulule. Bon allez, on passe à la suite. On est nul, c'est pas possible. Nous on est nulule par contre. Tu m'as fouillé. Si la chouette est lulule, nous on est nulule. Alors. Le 23. 23, il y a quoi après? Alors 23. Bah où il est? Allez, cherche le 23. Bah, j'ai le 24, le 26, le 25. Et ça te dit quoi d'abord sur le 23? Ça dit quoi? Surprise. Mais c'est ça! C'est ça, surprise! Ah ouais, d'accord. Ok. Alors, le 23, vas-y, ouvre-nous. Et Ellie, tu restes tout ça aussi, oui. Mais ça, je pense que Mamounette, c'était la surprise ouais, en fait. Hein. Ah. Allez, ouvrez-le. Ouvrez-le toutes les deux. On loupe? Allez, ouvrez-le, ça sera fait. Donc, ça, c'est un filet garni un petit peu. Ouais. Bon les petits copains de copines, je vais chercher un ciseau, hein. À tout de suite. Et nous revoici les petits copains de copines. Nous avons coupé les petits nœuds. Voilà. Ouais. Et donc là il y a tout un tas de choses. Attendez, c'est des cadeaux dans des cadeaux. Ouais. Non mais Madison, tu as fait la fofolle. Regardez Ellie, elle a des cadeaux dans les cadeaux. Lana, c'est pareil. Oh, c'est énorme. Allez, renversez tout et montrez-moi tout ce qu'il y a. Alors Lana, ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que t'as eu ça? Oh, c'est des petits cadeaux sympas, regardez. Oh, un emoji. Trop rigolo. Quoi? Tu sais quoi? Je ça pense que c'est le même que sur ton coussin là-bas derrière. Ouais. Tu sais celui que t'as derrière. En fait, elle a fait un swap dans un swap. Un double swap? Elle est folle. Oh, dingue. Madison, tu es une vraie coquine. Incroyable. Allez-y, ouvrez-moi ça dans l'ordre. Oh, un nom-nom. Ensuite, qu'est-ce que tu as eu, Lana? Je sais pas si la lettre comme ça. Ah, je galère. Tu galères. Un panda. Oh, un panda. Alors ça, c'est un Squeezie. Donc, je pense qu'on peut l'écraser. Ouais, regardez. Un Squeezie, ouais. Tu sais, Squeezie, là, le fameux YouTuber. Papa. Oui, ma puce. Il pète. C'est vrai, il pète, celui-là? Ouais, mais non, mais en ouvrant. Ah, d'accord. On tire la languette et hop, il s'allume. Oh, trop beau. Et dessous, il y a quelque chose. Si tu veux les mettre, ce sera là-dedans. D'accord, alors je te l'envoie. Ton Squeezie. Panier de la main gauche en plus. Hein. Papa. Oh, il s'allume ceux-là. Trop beau. Attends, alors Lana, elle a eu un caca aussi. Regardez attends, comme il est mignon. Chercher le 1, mon cœur. Un petit regardez, caca. Un tsum-tsum toi aussi c'est... Oh, il est trop mignon. Regardez les petits copains et copines. Un petit tsum-tsum de Noël. C'est... Oh, c'est trop doux tout ça. Et encore un. Et puis ah, j'ai eu les frères, enfin les deux. Les frères Bogdanov. Tic-tac, là. Ah, tic-tac. Ah oui, tic-tac. Jamais l'instant. Je croyais que c'est les frères Bogdanov. Ah bah d'accord. Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas un aussi grand menton. Hein. Ils ont un gros nez. Il y en a un grand nez, puis il n'y a pas de menton. Oh, t'as eu tic-tac, mais de Noël. Tic-tac. Et tic-tac.
Et puis qu'est-ce que tu as eu d'autre? Alors Ellie, elle met une plombe à ouvrir ses trucs. Oh non, encore! Trop bien! Oh là 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 là! Franchement, Madison, tu n'y es plus. C'est qui a mis ça? Regardez. Ensuite. Ellie, le 3. Allez, à toi. Et vous savez quoi, on va faire 3 vidéos, ça continue. Non, les petits copains et copines, on va vraiment finir sur cette vidéo. Elle durera longtemps, c'est pas grave. Tant pis pour nous, non, tant mieux pour nous. Tant pis pour eux, ils nous supporteront jusqu'au bout. Jusqu'à la fin, ils supporteront. Ils supporteront, alors voilà. Ils supporteront papa qui dit n'importe quoi avec sa bouche. Ils supporteront Ellie qui crie très fort. Ils supporteront Lana qui met une plombe à ouvrir ses cadeaux. Et ils supporteront Mamounette avec son plaid sur les épaules. Très beau, c'est très très beau. C'est très très beau. Tu es magnifique, on dirait une indienne un peu. Ou alors tu sais, l'été au coin du feu, quelqu'un sort sa guitare et puis tu mets un plaid sur toi. Et tu mets une bûche dans le feu. J'espère que c'est pas toi qui vas sortir la guitare. Non, il vaudrait mieux pas. Je connais que 3 accords. Alors regardez, vous savez ce que c'est ça, les petits copains de copines? C'est un stylo. Un stylo chat. Je vous fais une surprise. Tu nous fais une surprise, qu'est-ce que tu nous fais? Oh, Tousi, c'est trop bien ça. Encore, je reste. Et n'empêche que vous voyez pas les petits copains et copines, mais depuis tout à l'heure, je jette les cadeaux de Lana dans son casier et j'ai tout mis dedans. Alors que je suis à 2 mètres quand même. Hein. Ouais, hein. Je voudrais faire du basket peut-être. Alors qu'est-ce que tu as eu d'autre? Ah, oh, j'ai vu ta tête. J'ai vu ta tête. Oh là 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 là, regardez. Vous savez ce que c'est ça, les petits copains? C'est une petite figurine mystère Harry Potter. Et il me semble que c'est Funko Pop qui fait ça, ceux qui font les figurines pop. Et t'en as un deuxième. Alors là, tu vas être obligé de nous les ouvrir, je pense. À la fin. À la fin. Allez, à la fin de la vidéo, on ouvre ça. Deux mini figurines pop. Oh là 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 là. Hop là. Bravo. Et tu crois pas qu'on pourrait s'engager dans un cirque? Ouais, ou le basket. Hein, on arrive à faire des trucs avec nos mains. Alors Ellie, elle en sort plus, elle en a 3 tonnes. Elle est dingue en fait. Elle est comme une dingue. Pour une petite fille, voilà, tout ça. C'est énorme. C'est plus qu'à Noël. Ouais, c'est énorme. Alors il y a quoi dans le petit panier d'Ellie? Bon, du coup, en fait, il y en a plein. Oh, ouais. Vas-y, ouvre, ouvre, ouvre. Oui, mais du coup, je lui laisse ouvrir. Mais alors tu sais quoi, Mamounette, pour aller plus vite, tu pourrais les pré-ouvrir. C'est-à-dire ouvrir les paquets cadeaux et lui les donner. Mmh. Allez, vas-y, c'est parti. On peut les recycler. On peut le recycler? Ah, oh, mais c'est génial. Voilà, info. Info recyclage d'Ellie. Info sauvons la planète. Ce sont des objets recyclables. Allez, merci, je vais te les ouvrir. Ouvre le 4. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, moi, du coup, pour le numéro 24, c'est pareil pour l'hiver avec un monde imaginaire. Eh ben, vas-y, ouvre-nous le numéro 24. Ça rit. Oh my god. Aussi, j'ai droit à mon plaid. Moi, en attendant, je montre les petits personnages. Alors, qu'est-ce que tu as eu? Un plaid Harry Potter. Un plaid Harry Potter. Oh là 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 là. Donc, on va pas l'ouvrir parce qu'il est bien, bien fermé dans du tissu en plus. Hein. Il est trop beau. Donc, c'est un plaid aux couleurs d'Harry Potter. On reconnaît les lunettes. On reconnaît la petite cicatrice. Oh, les petites étoiles. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans ton petit panier, ma puce? Un Squishy Life. Un Squishy Life. Oh là 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 là. On l'avait pas. C'est un nuage. Un nuage rose. Alors regardez, sous ce beau ciel passe un nuage. Un nuage moustachu quand même. Hein. Il a la tête à Mario. Du coup. Alors hop, le Squishy Delight, ben, il s'écrase et il reprend sa forme. Regardez. Oh. En fait, il est gorgé d'eau, il pleut. Hop là, il a plu et il se regorge d'eau. Et il s'en va. Alors, ouvrez le 6. Par contre, Lana veut nous dire quelque chose. C'est le numéro 25. 25. Alors, je sais que tu aimes lire, alors j'agrandis ta collection. Ah, ah, ah. Livre. Ouais, tu crois? Pas sûr. Je suis pas sûr. Allez, vas-y, ouvre-nous ce livre. Non, je vais vous faire une surprise. Allez, montre-nous. Oh, encore. Waouh. Je crois qu'il y en a plusieurs. Elle nous a fait la coquine. Oh là 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 là, des Shopkins encore. Trop bien. Alors Ellie me les a envoyés par la voie des airs. Regardez, Shopkins, saison 7 en plus, la dernière. Oh, regardez ça, c'est trop beau. On a de quoi ouvrir les petits copains et copines. Alors Lana, tu vas nous dire un petit peu les livres que tu as eus. C'est vrai, tu adores ce manga, c'est quoi? C'est Noragami. Ouais, Noramagami, Noragami, non, Noragami. Noramagami. Non, 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 go, go, Gami. Ah oui, Noragami, c'est super ça. Waouh, 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 trop bien.
Trop bien, trop bien. Du manga, du manga, du manga. Et les, et les petits copains et copines derrière, ça s'entasse, c'est un truc de malade. Ah non, mais nickel. Elle est partout. Bon, on arrive vers la fin là, non? Alors, le 26, queue de fée, mais dans une autre culture. Alors, queue de fée de base, c'est fierté. D'accord. Mais dans une autre culture, je ne vois pas. Bah, japonaise? Ouais. Oh, des achimols! Des achimols? C'est ça, mais alors là, j'ai le cœur embaumé. C'est trop gentil. Des Hatchimals, t'adores ça ma puce. Merci. Regardez, des Hatchimals dans leur petit cocon là, je sais pas ce que c'est, un nid, c'est des nids. Des petits nids blancs. C'est trop rigolo. Ok, hop là, à ouvrir, à ouvrir. On avait déjà. Ah oui, on en avait eu une, oui, c'est vrai. Amazon du côté de Lana. Oui, hors caméra. On en avait une hors caméra. Oh. Hors caméra, on en avait une. Un Hatchimals. Bah décidément. Tu sais taper dans le mille. On a presque déjà. C'est vrai qu'on en avait un comme ça. Je sais plus quel animal on avait eu. Bon, on verra bien. On avait eu un petit oiseau. Un petit oiseau, c'est vrai, c'est ça, c'était un petit oiseau. Alors Lana, ça ressemble à une pop. Non mais c'est la collecte des pop. Oh. Là. Là. Regardez. Regardez. Oh. Greffelbuster. J'ai dit quoi? Greffe. J'ai dit greffe. C'est normal, je dis n'importe quoi. C'est Greffelbuster, regardez. Trop bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il se passe des choses derrière. Hop. Pour moi. Non. Si. Mais t'es gâté. Fais voir. Ouais. Deux palettes. Beautiful Eyes. Et l'autre, c'est quoi? Bear France. Wow, quel accent anglais. Trop bien, trop gentil. Alors moi, du coup, le dernier numéro, c'est le meilleur pour la fin. Avant... Tout, il te faudra de la persévérance. Coucou, c'est comme de la persévérance. Est-ce qu'il va être difficile à ouvrir? Peut-être. Mamounette, de son côté, elle ouvre des trucs, des trucs, des trucs. Mais tu ouvres tes cadeaux, Mamounette, en fait. Attends, je veux voir ta tête, elle est bizarre. C'est quoi cette tête? Ce sont des infusions. Ça sent de dingue. Alors, on a cerise et cocktail des îles. Wow. Et avec ça, tu vas bien dormir. Hein. Mmh. Le plaid, les infusions. Mamounette, je pense qu'elle t'a bien cerné, Madison. Moi aussi, j'ai encore quelque chose. Ah bah vas-y, ouvre. Alors, oulala, 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 du côté de Lana, il y a même les news de la journée. On a les informations de la journée, le journal. Allez. Alors, est-ce qu'il va faire beau? Il n'y a pas la météo sur les pages du journal? Alors... Et... Ouais. Ah, des masques pour ta peau, Mamounette. Waouh. Tu vas être encore plus resplendissante que d'habitude. Oh là là là, Mamounette. Alors, le plaid, un masque sur la tronche. Une petite bougie. Des infusions. Regardez ce qu'elle a pris. Je crois que c'est des petites bougies. Yankee Candle. C'est marqué que Lana va devenir une star. C'est vrai, tu vas devenir une star? Ouais, je crois bien. Bon, bah écoutez, on prend les paris. Les petits copains et copines, si vous pensez que Lana va devenir une star, mettez-nous-le en commentaire. Moi, je vote oui. Ellie, elle s'endort sur Mamounette. Oh là là. Ça me rappelle un certain swap qu'on avait fait avec Gabin et Lily. Hein? Oh, c'est trop gentil. Elle m'a pris plein de petites bougies Yankee Candle. Oh, Rainbow Cookie. Rainbow Cookie. Tu vois d'ici. Ouais. Ensuite, on a Macaron. Macaron, Macaron. Raspberry. Yes. Et Lana, elle continue de déballer, elle déballe, elle déballe, elle galère. Elle a 30 000 emballages. Cherry Blossom et Moroccan Cherry Blossom. Il n'y a pas un cadeau dictionnaire d'anglais par hasard parce que, ou cours d'anglais. Une box cours d'anglais. Et toi, papa, t'as deux cadeaux pour toi. J'ai des cadeaux moi aussi. Et c'est pas fou. C'est pas vrai. Attends, on va les laisser ouvrir. Papa, t'en as plein. C'est pas vrai, j'ai des cadeaux moi aussi. Bah, ouvrez-moi les. Ah, tu peux compter les ouvrir. Oui. Mais toi, t'es derrière la caméra. Eh oui, moi, je suis derrière la caméra. Mais Madison, j'avais pas besoin de cadeaux, moi. Je suis grand. Attends. Ah, ah, Lana arrive au bout. Ah. C'est son déballage. Une figurine pop. Une figurine pop pour moi. C'est l'album des Red Velvet. Oh. L'album des Red Velvet. J'adore. Oh là là. Avec toujours... Ce gros badge hein, devant. En fait, c'est un miroir. Ah, mais ça fait miroir. C'est pas un badge en fait.
Oh là là là, l'album. Qu'est-ce que c'est? Ah! Non mais attends, c'est jeu vidéo? C'est Spyro le Dragon! Oh là là, regardez les petits copains et les copines, c'est Spyro le Dragon! Oh, j'adore Spyro, j'adore les dragons déjà. Déjà à la base, j'adore les dragons. Mais en plus, Spyro, alors c'était un personnage qui était arrivé avec la PlayStation 1 dans le jeu Spyro, le jeu éponyme. Il y avait eu Spyro 1, Spyro 2, Spyro 3. Ensuite, on l'a retrouvé sur PlayStation 2, sur DS. Bref, c'est génial. Oh là là, merci, merci infiniment, là, Madison. Je suis trop content. C'est vrai, il y en a encore une? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Oh! Tchekov! Oh non, Tchekov! De Star Trek! Alors lui, il fait rire parce qu'il parle comme ça. Ici, Tchekov. Donc les petits copains et copines, peut-être que vous ne connaissez pas parce que ça, c'est une vieille série qui est sortie quand j'étais petit. Donc c'est une série de science-fiction. Ils sont dans un vaisseau spatial qui s'appelle l'Enterprise. Et dans ce vaisseau spatial, il y a un équipage en fait. Hein. Il y a le commandant Kirk, il y a Spock, le lieutenant Uhura. Et il y a aussi Tchekov. Et Tchekov, c'est lui qui est aux manettes. Hein. C'est lui qui fait avancer l'Enterprise. Oh, j'adore Tchekov. Oh, Madison, mais t'es trop forte. Alors, il va rejoindre mes autres poupées, mes autres figurines pop. Alors, j'ai déjà Spock. Non, j'ai pas Spock. Si, j'ai Spock, ma monnaie. Tu m'as offert quoi? Spock et Kirk. Et Captain Kirk. Et maintenant, j'aurai Tchekov. Oh, merci, 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 Madison. Oh là là, c'est trop de la balle. Là, Ellie, elle vient d'ouvrir encore un Fingerlings, là, mini qui se met sur les crayons. Oh là 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 là. Là, j'ai en train de le mettre sur le crayon. Ellie, elle nous a tourné le dos. Elle est à fond, elle est dans les cadeaux. Elle bon, est à la plage. Elle est à la plage, ouais. Du coup, là, j'ai ouvert... une figurine, mini figurine pop. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, en plus, c'est vraiment, vraiment super parce que c'est surprise jusqu'au bout, quoi. Ouais. Alors, montre-nous cette figurine. Pendant ce temps, Mamounette, ouvre. Qu'est-ce que tu ouvres, Mamounette? Un Hatchimal saison 3 pour Ellie. Oh là 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 là. Et toi, Lana, fais-nous voir. J'ai le chat d'Hermione. Le chat d'Hermione? Oh, mais attendez. Tu sais à qui me fait penser? Ça, à ton avis. Isidore. Isidore, le chat Isidore. Tu connais pas Isidore le chat? Non, ou alors le chat aussi qui fait que manger des lasagnes là. Garfield aussi. Eh, franchement, il a un peu la tête de Garfield, il est trop mignon. Isidore ou Garfield? C'est le chat d'Hermione, ça, d'accord. Je savais pas qu'elle avait un chat. Oh. Et l'autre, c'est quoi ma puce? Hop, je te l'envoie. Ah, mais c'est rigolo! C'est ça les fingers. Oh, regardez, des petits singes qui s'accrochent au stylo. Regardez et qui nous font des petits coucous. Qu'elle a eu aussi. Qu'est-ce que c'est? Oh, une poupée LOL. Ouais, elle est pets là. Non mais c'est incroyable. Comme une dingue. Ça y est, je pense qu'on a tout ouvert. On a tout ouvert, il nous reste plus qu'une chose. Bah, c'est Lana qui l'ouvre. C'est la deuxième figurine mini figurine pop. Je fais un petit zoom, je regarde sur les doigts de Lana. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est celui que je voulais. C'est vrai? C'est celui que tu voulais? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Ouais, comment il s'appelle? Lui. Qui c'est? Devine. Je sais pas, une chouette? Non, c'est un personnage. Un personnage? Exactement. Bah, c'est Harry Potter? Non. Oh, je sais, c'est la fille? Non, elle s'appelle Hermione, mais bon, non. Bah, je sais pas. Attends, c'est le méchant? Oui. C'est le blond? Oui. Je sais plus comment il s'appelle. Et c'est Malfoy. Malfoy, c'est ça, regardez. Oulala, là là, il est pas content. Regardez, comme il est pas content. Si c'était un emoji, ça serait l'emoji pas content. Oh, c'est trop beau. C'est vrai que c'est vachement sympa ces mini figurines pop. Hein. Elles sont trop belles. Super bien. Bon, les filles, ça vous a plu? Oui. Là, génial. On a perdu Ellie déjà. Ça y est, on a perdu Ellie. Voilà. Lana, on est prêt de la perdre aussi. Je crois que ça commence déjà. Mamounette, elle va dormir, je pense. Hein. Je sais ce qu'elle va faire, Lana. Elle va prendre toutes ses petites affaires. Elle va aller tout mettre dans sa chambre. Et elle va aller envoyer un message à Madison pour lui faire un gros merci. Oui. Un gros bisou. On lui fait un gros merci, on lui fait un gros bisou. Chaud au cœur. Non, ouais. Mais vraiment. Merci vraiment, beaucoup. Vraiment, c'est un truc de dingos. Regardez, je vais me reculer. Regardez un peu le bazar. Alors, je me recule. Regardez le chantier. Il y en a de là-bas jusqu'à là. C'est énorme. Regardez. C'est Noël, quoi. Noël est passé sous le meuble. Regardez là-bas. Regardez les emballages. Ah, oh, il y en a trop. C'est un chantier monumental. Merci, Madison. Les petits copains et petites copines. Allez les ouvrir. Oh, on va ouvrir ça aussi. Les petites sœurs avec un petit toit de toit. Les Little Sisters. Ouais, les Little. Oh là là, les petits copains et petites copines. Allez sur la chaîne de Madison. Je vous mets le lien ici. Regardez là, là, voilà. Donc, sa chaîne, c'est une chaîne plus de gaming un petit peu et de beauté un petit peu. Et il y aura notre swap. Et aussi de jeux vidéo. Voilà.
Les petits copains et copines, on va se laisser sur cette seconde vidéo qui était très très longue. On espère que ce swap vous a plu. Hein. Il était en deux parties tellement qu'il était long. On a été gâtés, franchement. La folie. On ne sait pas quoi dire. Voilà. On va se laisser comme ça. Nous sommes très émotionnés. Ouais, c'est super gentil. Il n'y a pas de mots. Merci Madison. Merci. Et les petits copains et copines, mettez-nous en commentaire quel jouet vous avez préféré. Ok. Allez. On teste sur quoi? Sur Doudou. Oh, les Iris, j'adore Doudou, Iris. Ah, Doudou, Iris. Thank you.